voilà. Ici, donc le départ du de circuit de 9 km et demi. Quasiment d'emblée la côte de Chavenay qu'on va monter pour une fois dans le sens inverse du sens habituel. D'ailleurs, c'est pas la côte de Chavenay, c'est la côte de Châtenay. Voilà une première bosse. Ici la fin de la descente et un petit faux plat qu'on descendait auparavant. Et en haut de ce faux plat, virage serré à droite, direction Jagny. Et là, on repart en faux plat jusqu'à Jagny. Petite bosse.
Or, le rond-point, un peu serré et mal pratique, hein. J'espère qu'on sera autorisé à le prendre par la gauche, cet arbre, parce que ça sera moins compliqué. Il faudra faire aussi attention dans Jagny au rétrécissement de chaussée, de droite et de gauche, ça zigzague un peu. Ce circuit, entre parenthèses, est beaucoup plus charmant que l'ancien. Hein. Beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa. La belle descente du circuit. Attention au défaut du goudron dans la chaussée à cet endroit. Là, dans cette descente, on va tourner brutalement à droite pour une jolie petite patate juste avant le golfe de Bellefontaine. C'est parti! Alors là, il faudra être bien placé parce que la route est étroite en plus. Là, c'est un bon endroit pour le départ d'un coup, parce qu'ici, c'est assez pentu tout de même. Hop, et voilà. Virage à droite. C'est pas tout à fait fini. Passe devant l'entrée du golfe de Bellefontaine. Et maintenant, c'est tout droit jusqu'à l'arrivée. Encore un faux plat montant ici. Ça monte toujours un peu. Et là, la troisième bosse du circuit.
un petit coup de cul, comme on dit, pas très loin de l'arrivée. Sûrement le bon endroit pour placer une grosse attaque pour un costaud. Voilà, de nouveau un faux plat. Et nous voilà en vue de l'arrivée. On est 700-800 mètres après le haut de la bosse. Un très joli circuit qui peut être rendu très difficile si jamais il y a un peu de vent. Vraisemblablement une vraie belle course pour des coureurs costauds. Rendez-vous le 12.